Bonjour, je suis Karine Lavoie-Turcotte, travailleuse sociale à la clinique de réadaptation Hypoaction. Au cours des dernières années, j'ai rencontré plusieurs enfants qui avaient des difficultés à bien dormir. Puis à travers ces années-là, j'ai réussi à trouver quelques stratégies pour aider les enfants à s'endormir plus rapidement et faire de meilleures nuits. D'abord, je pense que c'est important de mentionner que plusieurs enfants n'arrivent pas à bien s'endormir ou à bien dormir à cause du stress. Si tu penses que c'est le cas pour toi, je t'invite à visionner une capsule que j'ai déjà faite pour t'aider à gérer ton stress. Par contre, si tu ne sais pas vraiment pourquoi tu as de la difficulté à t'endormir ou à bien dormir tout au long de la nuit, je t'invite à visionner cette capsule-ci, puis je vais te faire part de plusieurs stratégies que j'ai pour t'aider à mieux dormir. En fait, l'heure du dodo, c'est souvent un des seuls moments dans la journée où les enfants se retrouvent tout seuls, à rien faire, avec rien pour les distraire. On va se le dire, c'est vraiment plate. Donc c'est souvent à ce moment-là que leur tête commence à leur jouer des tours, en leur faisant émerger certains stress, certaines pensées pas le fun. Donc les enfants vont avoir de la misère à s'endormir pour cette raison-là. Parfois, c'est ton corps qui te joue des tours. Ouais, ton corps. Peut-être parce que t'as pas assez bougé pendant ta journée. Si t'as pas assez bougé, ça se peut que quand tu vas aller te coucher, ben ton corps sera pas assez fatigué. Donc je te suggère dans ta journée d'ajouter beaucoup d'activités physiques pour que quand tu vas te coucher, ton corps va être rendu fatigué. Par contre, je te suggère d'éviter de bouger peut-être dans les 30 dernières minutes avant d'aller au lit parce que ça se peut que ça réveille un peu trop ton corps, puis quand tu vas arriver pour te coucher, tu seras pas encore fatigué. D'autres fois, ce sont tes yeux qui te jouent des tours. Tes yeux? Oui, oui, tes yeux! En fait, c'est les écrans que tu regardes qui te jouent des tours. Les écrans comme les tablettes, les téléphones cellulaires, la télévision, les jeux vidéo ou l'ordinateur, par exemple. Ça te joue des tours parce que c'est comme si ton cerveau pense que la lumière qui est produite par ces écrans-là serait en fait le soleil. Puis si c'est le soleil, c'est pas la nuit, donc c'est pas l'heure de dormir. C'est pourquoi je te suggère 30 à 60 minutes avant d'aller au lit, visionne pas d'écran, regarde pas d'écran. Ça va permettre plus à ton cerveau de comprendre que c'est bientôt la nuit, puis ça va t'aider à trouver sommeil un petit peu plus rapidement. D'autres fois, c'est ta bouche qui te joue des tours, ou en fait, ta digestion. Tu connais sûrement le sucre. C'est un aliment que beaucoup d'enfants adorent, qui est présent dans les craquelins, les biscuits, les fruits, plusieurs desserts. Sauf que si on consomme du sucre juste avant d'aller au lit, ça risque de te donner une petite dose d'énergie que tu n'as pas besoin à ce moment-là parce que ce que tu veux, c'est au contraire t'apaiser. Donc, je te suggère, avant le dodo, évite de manger du sucre le plus possible. Mais alors, quoi faire pour avoir un meilleur sommeil, mis à part chasser le stress, bouger plus dans la journée, éviter le sucre ou éviter les écrans? Je t'invite à écouter mes suggestions. D'abord, je te suggère d'avoir une belle routine le soir avant de te coucher. Puis, je te suggère aussi de te coucher à peu près toujours à la même heure le soir et aussi de te lever à peu près toujours à la même heure le lendemain matin. Petit rappel, dans ta routine du soir, évite les écrans, le sucre et évite de trop bouger avant d'aller au lit. Mais on remplace ça par quoi? Ce que je te suggère, c'est de trouver des activités calmes, qui te font du bien, qui sont relax, qui t'amènent à t'apaiser avant d'aller au lit. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, comme activité relax? Est-ce que c'est de la lecture, du dessin, jouer avec tes autos, te coller sur ton parent? Qu'est-ce que tu aimes faire qui est calme, qui t'excitera pas? Peut-être que la présence d'un parent à tes côtés, c'est rassurant pour toi. Par contre, ce que je suggère à tes parents, c'est de quitter ta chambre juste avant que tu t'endormes pour que tu t'habitues à t'endormir tout seul dans ta chambre. Plus tu vas le faire, plus tu vas être fier de toi d'être capable de t'endormir tout seul. Puis même si tu te réveilles pendant la nuit, tu vas savoir que tu es capable de te rendormir aussi tout seul sans nécessairement avoir besoin de l'aide de tes parents. Certains enfants ont aussi plusieurs peurs qui arrivent soudainement à l'heure du dodo. Si c'est le cas,
Je te suggère d'en parler avec un parent ou un adulte de confiance pour t'aider à trouver des solutions pour faire diminuer cette peur-là qui arrive à un moment où on voudrait vraiment pas. Aussi, si c'est difficile pour toi de t'endormir, je te suggère d'avoir dans ton lit peut-être un objet, quelque chose de rassurant avec toi. Ça pourrait être par exemple une doudou ou un toutou de ton enfance qui te fait sentir bien. Ça pourrait aussi être quelque chose à manipuler comme une balle anti-stress, quelque chose du genre. Ça pourrait aussi être un vêtement à ton parent qui sent ton parent, donc c'est quelque chose de réconfortant et de rassurant que tu pourras serrer dans tes bras. As-tu d'autres idées? Finalement, il existe toutes sortes de méditations qu'on peut trouver sur le web. Des méditations, en fait, c'est quelqu'un qui te parle, qui te raconte des choses pour t'amener dans un état d'apaisement. Donc, de faire ça avant le dodo, ça peut vraiment t'aider à trouver le sommeil plus facilement. D'autres vont faire de la méditation tout simplement en se couchant dans leur lit ou en s'assoyant dans une position confortable, puis juste garder silence pendant un moment. C'est peut-être un petit peu plus difficile chez les jeunes enfants de faire cette stratégie-là, mais si tu en trouves ou c'est quelqu'un qui te parle, ça peut être franchement intéressant. Au final, après toutes ces stratégies-là, si tu considères que c'est encore difficile pour toi de t'endormir ou de dormir toute la nuit sans trop te réveiller, je te suggère de consulter un professionnel comme un travailleur social, un éducateur spécialisé, un psychoéducateur ou même un psychologue. À la clinique de réadaptation Hypoaction, ici, on est plusieurs professionnels à avoir encore d'autres stratégies pour t'aider à mieux dormir. Donc, au plaisir de te rencontrer!